Comment tu vas? Je vais bien. Ton histoire de frère là, il est où? C'est mon frère que tu appelles histoire. Vous l'avez-vous déjà ramassé au quartier, tourné comme votre ballon? Vous poussez n'importe où. Je suis pas venu bavarder. J'ai demandé il est où. Je te rappelle quelque chose. Il fait partie des 9 notables de notre village. En effet, mon mari est au Cameroun et je vous avais fait comprendre la dernière fois que on avait besoin de cette partie, en fait. Donc je veux le voir. On va discuter pour ça. On veut l'acheter. Vous voulez acheter au terrain de mon frère? Oui. Il va seulement aller l'appeler. Donc, si tu peux lui faire appel, je serai contente. Non, il est là, il est là. D'accord. Il est où? Il n'est pas encore là? Pas encore. Son frère est parti l'appeler. Oh là là. On fait poireauter les gens sous le soleil. Je t'assure. Ou une connerie même. Il fait vraiment chaud. C'est pas facile. Hein. Et qu'est-ce que son frère a dit là? Je sais pas, ils vont venir là, je vais avec eux. Maman n'est pas voisin. Pas voisin, hein? Voisin, d'accord. Yo, maman. Bonjour, monsieur. Bonjour. Maman Chasso. Ah, ma Chasso, bonjour. Tu comprends pas français? Je ne comprends pas. Oh, le village. Le villageois. Yo, n'est-ce pas? Yo, mon Chavo, au Cameroun, aux français. Oh, you know? Francine Bayaoui. Oh, d'accord, c'est simple, hein? On va faire simple. Vous voyez la maison en étage là, hein? Oui, c'est moi qui suis là. Et comme je ne suis pas ici, Paris, Cameroun et autres, en construisant, j'ai carrément oublié de faire de la piscine. Et vu le temps qu'il fait, j'ai les enfants qui arrivent pour les vacances. C'est pourquoi je voudrais ce terrain. Oui, je voulais fermer là, question de faire une piscine à l'intérieur pour les enfants. C'est pourquoi je voudrais le papa qui ne sait pas. Pour voir comment l'avoir, comment acheter ça, je vais acheter. Yonga koli moi. Gayo kahan oso pio. Yonga yomuntu yuso pa. Parce que. Sepa inga. Ombi inga nga kamuso. Gayonga piscine. Ma pepon ko zenga fo hon souvenir toi. Piscine ba ko moi. Zo epon ko epon souvenir. Ah! Je ne sais pas si la graphie, mais je ne sais pas si je suis un souvenir. Je ne sais pas si je suis un souvenir. Mais je ne sais pas si je suis un souvenir. Donc, je ne sais pas si je suis un souvenir. Je ne sais Mon grand frère dit ceci, qu'il ne peut pas vendre ce terrain. Même si tu le fouettes avec n'importe quoi. Impossible. Pourquoi? C'est pour ses enfants. Mais attends, qu'est-ce qu'on a foutre de ses enfants? Moi, je veux ce terrain parce que je veux faire une piscine. Il me parle de ses enfants. On est au village ici. Il dit ceci, hein? Que tu viens d'où pour prendre le terrain de ses enfants avec la force. Et que tu n'oublies pas quelque chose. Il fait partie des 9 notables de notre village. Mais attends, nous sommes en ville ici? Mais les gars prennent la ville comme si c'est leur village, je suis notable, on n'a rien à foutre. Bon, quand cela ne tienne, hein, il a 2 options. Soit, je lui donne un petit truc, une enveloppe considérable, il me vend, il me laisse cet endroit, ou, bon, je l'arrache, je le prends de force. Parce qu'en fait, le Ngomna, c'est nous. Je suis un Ngomna, mais il y a quand on se plie, il y a 2 options. Soit option back. Manier, yonga also pio. Gayo ou 2 options. Soit ou bi, yon mtuk bi. Yon kamip. Soit yon lo, pin de tak. Gang gom na mousi. Yon do pin de tak. Menga menga. Ou te ban ou te mou lo, pa te terren mouze pin de tak. On vient de me rendre bien. On s'en va sa mère. Je me consomme. Mais quand on soit, je vais en couler. Je vais en couler. Il dit ceci, hein, qui refuse. Et que l'enfant de Massamba, il ne peut pas vendre ça. Impossible. Que tu vas au champ avec ton agent. D'accord. Il n'y a pas faute. Je vais lui montrer que nous, c'est le Ngomna. Un joueur pour un cap. Oui ou non? Parce qu'en fait, l'argent on a est au Cameroun, en Europe, comme ici, c'est rien, hein, c'est rien, l'argent c'est rien. Quand on a l'argent, on cogne toutes les portes qu'on veut. S'il ne vend pas, moi, je l'arrache.
Et puis là, chérie, on va. Et qui le veut ou pas, il y aura une piscine ici. Et mes enfants viendront nager là. Pauvre. Monsieur, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous ferez mieux d'accepter l'achat de ce terrain parce que vraiment, on m'arrête que vous voyez, il ne rit pas. C'est pas quelqu'un qui blague. C'est un monsieur, quand il arrive même à la présidente, le président de la République ferme la bouche. Donc vous allez dire à votre frère, votre histoire de frère, que je ne sais même pas d'où il sort, même le français dépasse à parler, qu'il accepte l'argent de mon mari. Sinon, ça va vraiment mal se passer. Bonne journée à vous. Oui, il va falloir faire quelque chose pour vous, un petit truc pour vous, par rapport à ce que je vous appelle au téléphone. Okay. Je crois que ça peut faire le compte. Ils sont déjà sur place? Ils sont sur place. Je vais courir rapidement vous attendre. Ça marche, je vous rejoins tout de suite. N'ayez pas peur, je règle le problème. Je suis là-bas. D'accord, c'est pourquoi. C'est pourquoi je vous ai appelé. Merci. Vous en prie. Merci bien. Bon, je vous attends, hein. Tout de suite. Bonjour, Ngomna. Comment vous allez? Ça va, bienvenue. Bonjour. On m'a appelé parce qu'il y a un problème ici. Donc, je suis venu sur place moi-même pour témoigner de quoi est-ce qu'il est question. Donc, c'est qui le présumé monsieur qui dit être propriétaire du terrain? C'est lui-là. S'il vous plaît. C'est lui assis là. Un villageois, il ne sait même pas parler français. C'est lui? Vous pouvez venir, monsieur, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des documents qui attestent que c'est vous le propriétaire de ce terrain? Yonga koli moi. Le ouvre pipa yenga nda senga omuga sepa. Bombi ngembe. Papa la kfo. Ngonge pour ngo rep ten chok zinja mek chok zinja un. Mek chok zinja mek zinja. Ngo rep rep rep. Mon frère. Pardon? Monsieur le Ngomna, je m'excuse. Je m'excuse. Il dit ceci, hein. Son père en mourant avait donné sans interdit que c'est après 10 ans qu'on ouvre la porte. Non, il ne peut pas être en possession des documents. De toute façon, je vais essayer de vérifier ces documents. S'il s'avère que c'est le monsieur ou c'est lui, parce que j'ai reçu ça dans mon bureau. Donc, c'est pour ça que je suis descendu sur place parce que je me suis dit que c'était important. Donc voilà, on va vérifier tout ça.
Je vois ici un lot qui a été acheté en 1965 par monsieur Jean Tekindjo. Donc, je sais pas. Déjà, j'ai un petit souci, vous savez. Il est important d'avoir les documents. C'est vous, monsieur Jean Tekindjo? C'est moi. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir. Il ne faut pas venir en ville avec des histoires du village. Un terrain, ça doit avoir un petit foncier, ça doit avoir beaucoup de choses. Le monsieur, il a les documents qu'il faut. Et lui, il parle de son papa qui est décédé depuis je ne sais pas combien d'années, qui lui a dit que c'était, ici, c'était pour lui. Ne venez pas en ville avec des histoires de village. De toute façon, l'ordre est venu d'en haut. Si je suis venu sur place, c'est parce qu'il fallait que je fasse que la loi soit appliquée. Maintenant, je vais devoir m'en aller et je veux que cette histoire s'arrête. Longue colline-moi. Que la parole de Dieu dit ceci. On ne peut pas prendre la chose de quelqu'un avec la force, même si tu es milliardaire. Il dit que c'est très simple. Si c'est bien que c'est son terrain, il doit boire le caddie ici. Ah, attendez, mon mari n'a rien à boire comme caddie ici. Monsieur Lengomna, oui. Si on vous a appelé, c'est parce qu'on avait besoin que vous régliez cette affaire. Oui. Et depuis lors des temps, ces messieurs ne font que nous menacer. Mm-hmm. Donc, on a pu vous trouver. Déjà, sans et vraiment... De toute façon, moi, j'applique la loi. Okay. C'est, l'ordre vient d'en haut. Si je suis arrivé sur le terrain, c'est parce qu'il fallait que cette histoire soit réglée le plus rapidement possible. Exactement. J'ai demandé les documents. Le monsieur n'a pas de documents. Il parle d'il y a 10 ans, 60 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ne venez pas en ville avec des histoires du village. Ce n'est pas bon. Le poulet, il est là, vous crachez depuis tout à l'heure. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Monsieur, vous allez arrêter ça tout de suite. Moi, je vais repartir. Et le poulet, c'est pour quoi faire? Oui, maman. Il dit ceci, hein, qu'il n'y a pas eu la force. Mais comme vous prenez avec la force, 3 jours, les têtes vont tomber. Trois jours. Ça, c'est de l'intimidation. Hein? C'est de l'intimidation. Mais ça, c'est un Tekindjo.
S'il vous plaît, il faut, si on peut s'entretenir un moment, s'il vous plaît. Mais c'était compliqué, là. Bah, c'est sûr. Vous-même, vous savez ce que nous avons prévu, c'était pas comme ça. Mais là, tout se complique. Le monsieur commence avec ses incantations. Trois jours, quelqu'un va mourir. Vous savez, moi, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Donc, il y a toute ma famille qui compte sur moi. Tu ne m'avais pas dit que le monsieur là a un notable au village, tout ça. Il dit qu'après trois jours, quelqu'un va mourir. Il ne faut pas que, à ma vieillesse, ma retraite, moi, quelque chose m'arrive avec les enfants. C'est important de voir les enfants grandir, mon frère. Il faut penser à moi. Tu as pris les documents. Tu avais dit que le document, c'était quoi? Non, on va revoir le papier là. Il est où? Comment on l'appelle? Je ne connais même pas son nom. C'est un villageois. Monsieur le paysan. Massazan Tekendjou. Cette histoire, c'est compliqué. C'est pas comme ça que je vois l'histoire. Je crois que tout était clair. Mais là, il y a déjà les histoires de meurtre. Trois jours, les gens vont mourir. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Je dis et je répète, je ne veux pas quelque chose qui va m'arriver un jour. Je ne veux pas qu'un jour, je suis déjà vieux, je commence à avoir mal au genou pour rien. Dans cette histoire, vous allez régler ça entre vous. Je ne savais pas que ce monsieur était notable. Maintenant, c'est les gens qui vont mourir. Ce document, excusez-moi, je vais le garder avec moi pour que ce problème doit soit réglé. Monsieur, vous avez dit que vos parents ont dit que ce terrain vous appartient depuis combien d'années? Donc, écoutez-moi. Mais où on est, papa? Non, c'est pas un bout. Go rep, ça veut dire quoi? N'est-ce qu'on a dit? Que le père mourant avait dit, c'est après 10 ans après sa mort qu'on ouvrira la porte. Mais pourquoi vous n'avez pas présenté les documents depuis tout à l'heure? Il fallait présenter les documents. Parce que le père mort, ça fait seulement 3 ans. Il faut encore 7 ans. Monsieur, vous allez garder votre terrain. Mais sergent Tekendjou, cette histoire est à revoir. Si ce monsieur avait son terrain, on va revoir ça plus tard. Venez vers moi, s'il vous plaît, il faut que je rentre au bureau. Il y a mon gong, Gambé. Il y a une négopie, c'est pas. Ah, il y a une négopie, c'est pas. C'est papa qui a dit. Papa qui a dit. Il y a un mélange de chat, il y a un mélange de chat. Que les dieux de nos pères et nos mères te ramènent à la maison dans la bonne santé. Même l'absence, mais après quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vous remercie beaucoup. Non, non, ne me remerciez pas, il fallait dire tout ça tout à l'heure, moi je ne savais pas. Quand tu soignes pas pour y'en a, Et que la honte envahisse cette famille qui profite de l'argent pour détruire le bateau. Eh oui, vous allez m'excuser, moi je ne suis pas venu saigner les pauvres, je suis venu appliquer la loi. Le cibé, pas de quoi, est-ce que vous permettez? Yo, on va bobé ou quoi? Je vois mon gars. Ah, on va bien. Vous êtes mon père, mon gars. Tu vas vous êtes pour nous ou qu'est pas encore venu pour. Zou, moi, Wops. Quelle veste, moi, vous avez ma chance. C'est pas mal, c'est pas. Bon, bah. Ben, c'est pas fini, hein. On va pas vous laisser comme ça. Il y a l'épisode 2. On va pas vous laisser comme ça. Oui, alors bonjour, monsieur Jean Tekendjou. Est-ce que vous dites que je dois vous rembourser? Mais monsieur, vous avez dit tout paix. Déjà, vous me faites descendre sur un terrain où il y a des problèmes avec un monsieur du village qui est notable. Il y a des choses qui se passent là-bas, il menace de mort. Et vous demandez après que je vous rembourse? Vous avez dit tout paix, ça n'a pas de sens. Monsieur, sachez que ça fait le compte. Donc déjà, je risque même de vous poursuivre si vous vous amusez. Donc, considérez que cette histoire est réglée et ne m'appelez plus jamais. S'il vous plaît. Merci. Fais en sorte que je le sache. Si jamais tu me trouves, ne sois pas indifférent. Bon. Oh, on arrête les téléphones. Comme on vous les avait annoncé, on le voulait annoncer tout à l'heure depuis un bon bout, les web-séries dont les aventures de Calagan sont prêtes. Donc, abonnez-vous sur la page YouTube
entrez dans la page officielle Moussa Jean Caladan officiel et abonnez-vous. Parce que le tout aussi, ça va faire très mal. Et aujourd'hui, je suis avec The Voice. On a fait une belle scène qui concerne le Ngomna. Ouais. Voilà le Ngomna qui va sortir. Le tour aussi, ça sera le tour du tourbillon. On va faire une petite chanson parce que les fans sont là. Voilà Samy, coiffure, tout le monde et tout et tout et tout. Il y a un million premier. Parce que le tour aussi, le chef. Voilà la chanteuse. Allez, 1, 2, 3. Action. Feu. Il saute en bas, oui, singa. Hey. On a la nana son tane. Il saute en bas, oui, singa. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu me coûtes, ne sois pas indifférent. Coco, Coco, c'est du coco, c'est du coco. Moïse, je te sens pas. Hein. Tu es en train de faire des trucs d'un genre. Moi, je te sens pas. Tu parles pas comme si tu parlais avec, comme quelqu'un de confiance parlait. Tu as fait toute l'école, tu as tout ça, tu tiens le micro. Je te sens pas péter les formes dans le sketch. C'est le chez moi là, parce qu'on va casser désormais là, on met une barrière là, là, ça forme une piscine. On parle avec assurance qu'on a ses moyens, mon cher, mon Dieu. Assurance.